Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est le 100% foot Farid & Co. en ce lundi 31 mai, 21h. Et oui, 21h, heure un peu différente de d'habitude, mais c'est pas grave, c'est pas grave. J'espère que vous allez bien donc. Je vous laisse le temps d'arriver tranquillement, mais sûrement. Hein. Bon, c'est la fin du couvre-feu, donc peut-être que vous serez devant votre écran. En tout cas, je l'espère. Et nombreux et nombreuses d'ailleurs, car mon invité du jour est une joueuse professionnelle avec qui on va pouvoir échanger et parler de son actualité, de sa passion. Et donc je vous en dirai un peu plus dans quelques instants, dans quelques secondes. Merci à Julie, merci à Adrien. Il y avait, je crois, Luna Foot aussi. Merci à vous d'être présents et présentes. Allez, on attend encore quelques secondes et je vous donne les informations que j'ai pu noter aujourd'hui ou entendre. Et ensuite, j'attendrai également mon invité. Je regarde, hop, hop. Voilà, invitation envoyée. On va attendre qu'elle arrive. C'est bientôt l'euro. Donc il y aura également bientôt beaucoup de choses à dire à ce sujet. Et elle est parmi nous, mon invitée, et merci à elle d'avoir accepté cette invitation. Donc avant, comme à chaque fois, je vous donne les informations. L'ancien défenseur brésilien de l'Olympique lyonnais que vous connaissez très bien, Cristiano Cris, a signé comme coach forcément au Mans, club de National 1. Très bon choix du club du Mans. Yacine Adli, ancien parisien et du côté aujourd'hui des Girondins de Bordeaux, serait convoité par le champion de France en titre, le LOSC. Achraf Hakimi serait la priorité pour le poste de latéral droit du Paris Saint-Germain. À voir, c'est vrai qu'il y a des besoins du côté droit et côté gauche de la défense parisienne. Chelsea, un champion d'Europe en titre, serait intéressé par l'international belge Romelu Lukaku de l'Inter. À voir, donc ça sous-entendrait que Giroud soit amené à partir. De toute façon, je pense qu'il n'a pas le choix s'il veut avoir du temps de jeu. Sergio Ramos, qu'on ne verra pas durant cet Euro, champion du monde 2010, pourrait connaître la Première Ligue et Manchester City. Et on parle également du Paris Saint-Germain, mais bon, on verra, on verra. Les Bleus, par contre, on vient de l'apprendre, les Bleus ont été éliminés dès les quarts de finale de l'Euro par les Pays-Bas. Et oui, défaite 2 buts à 1. Il y a eu un bon début, mais bon, malheureusement, après, ils ont été mangés par les Néerlandais. Donc, dommage, c'est quand même une triste désillusion du côté de cette équipe de Sylvain Ripoll. Enfin, la Copa América 2021, initialement prévue en Argentine, se jouera finalement au Brésil pour raisons sanitaires. Voilà, donc merci à vous. Et Jérôme nous dit que Jonathan Klaus de Lens serait la cible de l'Inter. En effet, ça serait quand même une belle ascension pour ce joueur contre-attaquant de côté. Voilà, donc mon invité du jour, c'est Inès Belhomou, joueuse de Montpellier. Et donc, je suis très content de pouvoir la recevoir. On va pouvoir parler du football amateur. On n'en parle pas assez et c'est l'occasion de le faire durant ce live. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lui poser. Alors, elle me dit, Inès, je n'arrive pas à participer au live. Donc, parfois, c'est des questions de mise à jour. De mise à jour. Ça se règle assez rapidement. Ah, je Ben crois que c'est voilà. bon. Non, non, Inès, parfait, parfait, t'es C'est là, bon. tout va bien. Ça marchait pas au début. Mais au début, moi, tu sais, dans mon live, je donne un peu les news de la journée. Et puis après j'entre en Nickel. contact avec mon invité. Donc, tout va bien, t'es à l'heure. Et merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous. Je sais que tu t'es entraîné dans la journée, tout va bien? Oui, cet après-midi, nickel. 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 Il fait pas trop chaud du côté de Montpellier? Si, ça commence à monter les températures, mais bon, ça fait du bien.
Oui, on est d'accord. On est content d'avoir ce Ah ouais. moment et on est tout, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais tout de suite, on est tous souriants dès qu'il y a un peu de soleil. L'actualité du football féminin, c'est que le championnat est presque terminé. La Ouais, il reste division un 1 match. Arkema. Voilà, exactement. Comment tu analyses-tu le classement de ton équipe qui est cinquième au classement? Bah, c'est sûr qu'il y a un petit peu de déception parce qu'on fait partie des gros du championnat. Mais bon, on pense avoir bien terminé la saison quand même, avec des résultats qu'on voulait, certains non. Mais on est bien déterminé à reprendre une bonne saison. D'accord. Et toi, personnellement, est-ce que tu penses que tu as répondu à tes objectifs, et peut-être qu'on va les connaître après, ou tu as connu un creux, ou c'est une saison moyenne, une saison satisfaisante? Je suis assez contente de ma saison avec ben, les matchs que j'ai pu jouer. J'ai fait d'assez bons matchs quand on a fait appel à moi. D'accord. Et je pense, mes objectifs, ben, on en parlera après, mais c'est de m'intégrer au fur et à mesure. Ben, je pense être intégrée, mais m'installer vraiment en tant que titulaire et obtenir enfin, ce poste et être la titulaire, quoi. Ben oui, on te le souhaite, hein. Il n'y a pas de raison. Dernier match, hein, ce week-end à l'extérieur contre le Paris FC, qui est devant vous, je crois, avec 4 points d'avance. Ouais. Est-ce que finalement, après cette saison un peu atypique, forcément, on le répète sans cesse avec le Covid, tout ça, est-ce que tu es impatient d'en terminer ou tu... Non, c'est important aussi de bien finir cette saison. Non, bah surtout pour nous, terminer la saison en toute beauté, c'est très important parce que bon, on a raté certains matchs et on veut vraiment bien finir et laisser une bonne image de nous. Donc Oui. on n'est pas pressé d'avoir les vacances, non. On veut bien D'accord. finir et après être en vacances. D'accord. Bon, on va peut-être parler des sujets qui fâchent, Inès. Deux gros cartons, je crois, encaissés face au Paris Saint-Germain et l'Olympique lyonnais. Ces deux équipes sont-elles vraiment supérieures aux autres? Ben, je pense que supérieur, ben, on se fie au résultat, oui. Oui, elles sont supérieures par rapport aux résultats, par rapport à leur classement. Mais après, je pense que c'est aussi dans la tête. Des fois, il y a certaines équipes qui se mettent des barrières directes, qui se disent c'est Lyon, waouh, ou c'est PSG, on va galérer et tout. Mais si on arrive mentalement à se mettre à la hauteur, on peut faire des gros matchs comme certaines équipes ont réussi à faire des nuls. Et comme nous, chez elles, on a réussi à faire le nul. On s'est pris un but à la fin, mais bon, on a mis même une bonne prestation. On a fait une bonne. Deux bonnes mi-temps et on méritait même limite de gagner. Donc D'accord. vraiment, je pense que les limites, on se les met seules. Et oui, dans les résultats, on voit qu'elles sont au-dessus quand même. Ah, il y a Quentin qui nous pose la question. Est-ce que c'est vrai que le Paris Saint-Germain est sur toi? Pas que je sache. D'accord. Bon, en tout cas, merci pour ta franchise. Et c'est vrai, est-ce que, pour rester encore un peu quelques secondes sur le Paris Saint-Germain et l'Olympique lyonnais, commencer le championnat en sachant que le titre serait promis à l'Olympique lyonnais ou au Paris Saint-Germain, est-ce que c'est pas trop démoralisant? Ben non, au contraire, ça fixe ses objectifs. On se donne les moyens d'y arriver et on se dit ben cette année, il faut pas que ce soit ça. Cette année, ben ça a changé, ça a presque changé. C'est le PSG, mais on aimerait que ce soit nous et que toutes les équipes espèrent ça en vrai. D'accord. Oui, c'est vrai qu'elle montre l'exemple, le Paris Saint-Germain, cette année, Ouais. parce que c'est vrai que jusqu'à présent, l'Olympique lyonnais était intouchable. Ouais, mais clairement, là, cette année, elles ont montré qu'elles peuvent y arriver comme toute équipe et que je pense que même hors foot, elles se sont mis dedans, elles se sont dit on peut le faire et elles se sont donné les moyens et elles y sont presque à une journée. Exactement, exactement. Pour Montpellier, est-ce que la Ligue des Champions était un objectif de début de saison? Ben, comme on est compté dans les gros, je pense que ce soit pour Bordeaux, PSG, Lyon ou nous, on a tous le même objectif, je pense. C'est d'être qualifié pour la Ligue des Champions. Bon, cette année, on ne l'a pas été, mais même si ce n'est pas l'objectif du club, chacune, on a ça en tête. Et on se dit, on veut y être, parce que c'est quand même quelque chose de beau. Ah oui, énormément. Et puis on adore la musique. Pourquoi Montpellier, au fait, Inès? Ben, Montpellier, ben, j'ai fait 1 an et 19 avant de signer pro.
du coup, ben c'est le projet à long terme qui m'a vraiment, vraiment intéressée et le côté familial du club qui m'a vraiment, vraiment attirée. C'est à côté de chez moi, c'est le sud, les personnes qu'il y a, les coachs, les directeurs sportifs, le président, tout m'a attirée et ben, j'ai D'accord. dit ben, Montpellier. Bah, c'est vrai que nous, forcément passionnés et connaisseurs un petit peu du football, on connaît la famille Nicolas hein, dans le Ouais. football et même précurseur même dans le football amateur, football féminin, pardon. Est-ce que tu sens que Monsieur Nicolas est vraiment proche de cette équipe féminine et que pour lui c'est aussi important que le football masculin? Ah oui, ah oui, il est vraiment à fond dans son projet. Il vient nous voir en début de saison, en milieu de saison, pour nous dire, allez les filles, apportez son encouragement. Et vraiment, on le voit qu'il est concerné. D'accord. Te concernant, pour mieux te connaître, qui t'a donné envie de jouer défenseur gauche? Ben, mon grand frère était arrière droit. Et D'accord. du coup, ben, et j'ai toujours eu ce côté défensif, aimer défendre. Et ouais, j'ai plus aimé, c'est bizarre, hein, mais aimer défendre qu'attaquer. Et du D'accord. coup, ben, j'ai fini arrière gauche. Vu que j'étais gauchère, j'ai fini arrière gauche. Mais c'est vraiment mon grand frère qui m'a donné envie. Ouais. Ok. Non, et puis faut dire comme les pattes gauches sont assez rares. Donc je pense que tu vas être assez convoité en plus de ton potentiel forcément. Quelle est J'espère. la relation avec le coach Frédéric Mendy? Ben là, c'est plus l'actuel coach. Pardon, d'accord. Du coup, il a trouvé un accord avec le club et ils ont rompu leur contrat. À ce que je sache. D'accord. Non, franchement, on trouve que c'était un assez bon coach qui était vraiment dans la formation parce qu'il est venu D'accord. des U16, Oui. garçon. Il est vraiment dans la formation et j'avais d'assez bons liens avec lui, on s'entendait bien. C'est lui qui m'a permis de signer professionnel. C'est lui qui a fait signer mon premier contrat, enfin, qui m'a permise. Mais sinon, ouais, d'assez bons liens. Un bon lien. Et c'est vrai que lui, étant un ancien défenseur, est-ce qu'il t'avait donné des conseils spéciaux? Oui, ben, franchement, il nous prenait un spé défensif beaucoup plus que le spé off. D'accord. Et vraiment, c'était vraiment du vrai défensif que lui, il a. Comme il disait souvent, c'est nous, on est des porteurs d'eau. Ok. C'était vraiment le vrai défenseur. Et il D'accord. avait des petits outils qu'il nous donnait tous les jours qui ont souvent fait mouche pendant les matchs. D'accord. Bon, il y a Quentin qui nous pose la question. Est-ce qu'il y a un joueur qui t'a inspiré à ce poste? Ben, quand j'étais plus jeune, Marcelo. Aïe, 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 ouais. Marcelo, j'aimais Ouais. beaucoup. Et aujourd'hui, Lucas Hernandez. Ah oui, J'aime c'est beaucoup. un autre défenseur. Lui, il est très très bon, il est rigoureux. Autant Marcelo, c'est plutôt un contre-attaquant, quoi. C'est ça. Mais quand j'étais petite, j'étais trop à fond, les grands joueurs, arrière gauche, Real et tout, j'étais à fond. Mais là, maintenant que je suis plus spécialisée à mon poste, vraiment, Lucas Hernandez, ça hargne. Dans le côté défensif et répétition d'efforts. C'est ça, Beaucoup, exactement. beaucoup, beaucoup. Et c'est très important ce poste, surtout les latéraux modernes. Oui. On leur demande beaucoup d'être beaucoup plus offensifs qu'avant. Donc il faut être vraiment défensif et offensif. Exactement, exactement. Et c'est pas facile de gérer les efforts et de savoir quand il faut attaquer et quand C'est ça, il faut c'est ça. défendre. Donc tout à l'heure, on parlait de Frédéric Mendy, je crois, donc il a été remplacé par Monsieur Chandiou. Chandiou? Yannick, ouais. Yannick, voilà. Est-ce que coaché par un homme ou par une femme, est-ce que c'est vraiment différent? J'ai jamais eu de femme. D'accord. Juste en sélection. Mais comme on les a pas beaucoup de temps, on ne sait pas vraiment les vraies différences. Mais je pense que ouais, il y a des différences dans l'approche envers la joueuse. Une Exactement. femme, ça comprend plus la femme. Du coup, je pense que c'est un peu différent parce que des fois, les garçons, c'est brut. Mais des fois, on en a besoin. Ouais, je suis d'accord. D'ailleurs, t'es passionné de football depuis quel âge, Inès? Depuis l'âge de 5 ans, 5 ans, comme mes d'accord. grands frères, ben, ils jouent au foot, alors direct sur les terrains, c'était dès le plus jeune âge, ballon, direct. Et donc, c'est le grand frère qui t'a donné envie. Ouais, mes deux grands frères, j'ai un Tes deux autre qui grands est par frères. contre milieu de terrain, D'accord. rien à voir, rien à Oui. voir avec nous, vraiment, même le style de jeu, rien à voir.
Mais les deux, j'accompagnais à chaque match, j'étais là à chaque tournoi quand ils étaient petits. Et ça m'a donné vraiment envie. Et quel a été le déclic? Ok, d'accord, tu as accompagné tes grands frères sur les terrains de foot, mais bon, ça peut rester qu'une passion. Il y a des matchs à la télévision. À quel moment tu t'es dit, bon, ben, où tu es parti voir tes parents, bon, voilà, papa, maman, je veux jouer au foot. Franchement, aucun souvenir. Je pense que ça s'est fait seul. Ça s'est fait D'accord. seul. Ils m'ont dit, ben, là, il y a des détections pour les. Parce que j'ai commencé à Martigues. Oui. J'ai commencé en pré-débutant, donc j'avais 5 ans. Et on m'a envoyé avec les garçons. Et allez, vas-y, régale-toi. Au début, c'était vraiment un plaisir. Hein. C'était pas dans l'espoir d'être pro ou quoi. C'était vraiment, D'accord. va t'amuser, profite. T'aimes le foot, amuse-toi. Surtout qu'à l'époque, les filles, c'était pas trop la priorité de faire du foot. Bien sûr. Mais c'est ça. Et j'ai suivi des garçons, j'étais tout le temps avec eux, mes copains de classe, et après c'était copains de foot. Et au final, ben, j'ai continué, 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 jusqu'à en arriver là. Ah, bravo. Natif donc de Martigues, et donc tu as commencé à Martigues. Et tu es passé aussi par l'Olympique de Marseille? Ouais, j'ai fait 2 ans, ben, j'ai fini à Martigues en U15. J'ai quitté les garçons parce que les filles ne peuvent plus jouer avec les garçons. Exact. Du coup, ben, j'ai intégré l'OM pendant 2 ans. Et tu ne pouvais pas y rester à Marseille? Ben si, on m'a proposé des contrats, mais j'ai plus été attirée par le contrat de Montpellier, qui a vraiment, ça m'a plu tout de suite. Dès qu'on en a parlé, il y a eu direct le truc et ça s'est fait avec mes agents, ma famille, et franchement, j'ai direct accroché. Non, tout à fait. Et comment ça se passe? Parce que donc là, tu as dit, tu as eu l'occasion de jouer, de démontrer ton potentiel en division 1 Arkema. Comment ça se passe la concurrence avec l'internationale française, Sakina Kershaoui? Ben, du coup, avant qu'elle parte à Lyon, c'était pour moi même pas une concurrence. C'était comme ma grande sœur. Elle m'a vraiment bien intégrée. Quand je suis arrivée, j'étais toute petite et elle faisait partie des piliers de l'équipe. Et franchement, je la remercie beaucoup parce qu'elle m'a appris beaucoup, beaucoup de choses. Lesquels Elle a vraiment pas pris ça pour une concurrence. Elle m'a aidée, vraiment. conseils par exemple Inès? Ben, Saki, elle était beaucoup plus offensive que moi. Moi, j'étais D'accord. vraiment dans le défensif. Quand je suis arrivée, c'était vraiment ma qualité première. Il fallait que je travaille offensivement. Mis à part les centres que j'aimais vraiment beaucoup. Sakina m'a appris dans les prises de balles, les dribbles, rentrées intérieures, toutes ces petites choses qu'elle, c'est acquis chez elle. Elle Ah m'a bah tiens, elle est là. vraiment. Elle est là. Hein? Pardon? Salut, Sakina. Non, je crois pas que c'est ça qui, ça. Ah pardon, d'accord. Non, je crois pas que c'est ça. Non. D'accord, autant pour moi. Non, et du coup, vraiment, elle m'a vraiment aidée. Hein. Ok, Que d'accord. ce soit en dehors et sur le terrain. Mais alors, est-ce que tu aimerais, bon, on te le souhaite, voire même mieux, hein, même mieux, mais est-ce que finalement tu aimerais suivre un peu sa trajectoire? Donc aujourd'hui, elle est du côté de Lyon. Donc ça Ouais. fait une belle progression. Est-ce que tu te donnes ça comme ambition, dans, je ne sais pas, entre 3-5 ans, ou finalement c'est au jour le jour et puis on verra. Ben, pas forcément Lyon. Pas forcément Lyon. Surtout côté équipe de France. Côté équipe de France, ouais. Avoir son parcours, oui. Elle a commencé en jeune, comme j'ai fait moi. Toutes les catégories jeunes. Et elle arrive en A. Ça, c'est vraiment mon objectif, ouais, de toucher les A. Et D'accord. surtout d'y rester parce que c'est plus facile d'y être une fois. Exactement. Mais sur le long terme, c'est le plus dur. Donc voilà, après, pas forcément Lyon, non. D'accord. Et qui te guide? Ah non, alors attends, j'avais une autre question d'abord. Qu'est-ce qui a changé pour toi depuis que tu as signé pro en septembre 2019? Ben, déjà, ma vie. Avant, j'étais mon quotidien, j'étais à l'INSEP. Ok. C'est un peu compliqué à expliquer. J'étais pendant 3 ans à l'INSEP. En même temps, j'ai fait mes 2 ans à l'OM. Ça veut dire que je descendais tous les week-ends. Ah oui. Je m'entraînais pas avec mon équipe. Je m'entraînais là-bas avec le Pôle France, du coup. C'était vraiment un train de vie, je dirais pas compliqué parce qu'on se plaint pas. On n'a pas à se plaindre de ça. Mais vraiment, c'était vraiment fatigant dans les trajets, l'avion tous les week-ends, après les matchs. Et surtout, de ne pas s'entraîner avec son équipe, c'est quand même dur. Oui. Parce que on n'a pas les automatismes. Même si on travaille de la même manière au pôle, c'est pas pareil parce qu'on n'est pas avec son équipe au quotidien et on n'a pas bah, du coup ces automatismes. Ouais, je Mais du comprends. coup, j'ai fait ça pendant 2 ans à l'OM. Et ma dernière année, du coup, je suis allée à Montpellier.
Et pour vraiment m'intégrer au club, j'ai fait 1 an U19. Et juste après, bah, j'ai signé mon contrat. Mais ouais, là, du coup, maintenant, j'ai mon appartement, je vis seule ici. Je vraiment rien à voir avec mon quotidien avant de signer professionnel, du coup. Ouais. C'est la belle vie, quoi. Ouais. Et qui te guide dans tes choix sportifs, Inès? Bah déjà, mon agent et mes frères. Beaucoup mes frères qui sont vraiment là, qui apportent le côté choix famille. Mais ça a toujours été le même agent, ou tu en as changé, Non. ou... Non, d'accord. J'ai toujours eu le même agent depuis que, avant que je signe pro, c'est lui qui s'occupait de moi. Mais Et comment qui. il est venu à toi, alors, cet agent? Ben, au début, comment ça s'est fait? Ben, Bah, j'étais encore à l'INSEP. il a dû entendre parler de toi, forcément. Ben, je pense, ouais, du coup, j'étais encore à l'INSEP, il est venu vers moi. Et puisque quand on commence à toucher le haut niveau, il y a plusieurs agents qui se rapprochent de nous. Et lui, vraiment, son projet aussi qu'il avait pour moi, c'était Ah, il y a vraiment. Anissa qui nous dit parce que t'as souri. Anissa, je vais te Ah, tuer. Elle est folle. Non, c'est pas parce que j'ai souri, c'est parce que son projet, bah, du coup, j'ai bien aimé bien et sûr. on s'est entendu sur ce que je voulais à long terme aussi. Et ça a accroché, et puis voilà. Oui, puis surtout, étant donné que j'ai eu l'occasion de faire une interview avec lui, le football féminin est très très important dans son agence. Ouais, bah oui, c'est pour ça, il a beaucoup de grandes joueuses. Exactement. Il n'a pas énormément de joueuses, mais de gros Un peu noms dans le moins. football féminin. Et c'est ce qui, c'est pas ce qui m'a fait venir, mais c'est vraiment ce qu'il m'a proposé. Et on s'est compris sur ce que je voulais à long terme et ce que je voulais faire à Montpellier. Sur nos objectifs, c'est des objectifs communs qu'on a D'accord. eu, lui, moi et le club. Du coup, c'est vraiment cet agent que je voulais. D'accord. Alors Nicolas, je crois, Morgane Nicoli, c'est lui? voilà, ouais, qui râle le plus à l'entraînement. Morgane. Morgane, voilà, c'est placé, c'est fait. Morgane et Elisa, les deux. Moi, Voilà. jamais. Alors attends, il y a 10 mecs qui nous demandent, il y a des agents qui ont à la fois des masculins et féminines. Oui, certainement. Oui, bah, Alan, mon agent, il a des garçons, surtout aux États-Unis, parce que lui, il est basé aux États-Unis. D'accord. Et il a quand même des personnes qui travaillent avec lui en France, Oui. qui s'occupent de nous plus directement. Mais si, quand on a besoin, on l'appelle directement. Il est vraiment direct, il est toujours joignable, il n'y a pas de Mais souci. s'il est aux États-Unis, il se déplace quand même? Ben, il se déplace pour les signatures, par exemple, D'accord. ou s'il y a un gros problème, ou s'il y a un changement de contrat, il y a quelque chose. Là, pour les gros trucs, il vient. Sinon, c'est les d'autres personnes qui sont en France qui s'occupent. D'accord. Voilà. Très bien. Pour parler d'actualité, on en a entendu parler, Inès, d'un futur championnat à 10 équipes. C'est vraiment dans l'intérêt sportif ou il y a un autre intérêt qui se cache? Honnêtement, je ne connais pas l'intérêt du tout parce que même pour nous, déjà, là par exemple, ces 2 derniers mois, on a joué, on avait 2 matchs par mois. Et si on descend à 10 équipes, ce sera encore pire. Exactement. Donc je trouve que ça ne fait pas pro pour une D1. On est quand même l'élite du foot féminin. Exactement. Donc 10 équipes alors que par rapport aux garçons, ça n'a rien à voir. Et je trouve ça pas. C'est pas la bonne décision, je pense. Voilà. Bon, c'est pas encore fait, hein, mais ils y réfléchissent. Et tout à l'heure, quelqu'un nous a posé la question, et ça faisait partie des miennes. Comment finalement développer encore plus le foot féminin? On se rappelle tous de la Coupe du Monde en France, mais finalement on trouve que ça n'a pas été, si ça a été positif, mais ça n'a pas peut-être boosté comme il aurait fallu le foot féminin en France. Qu'est-ce qui manque au foot féminin? Ben, je pense que quand la Coupe du Monde s'est déroulée, ça a boosté d'un coup. Il y a eu vraiment un pic, même Oui. que ce soit les personnes qui viennent regarder les matchs ou sur les réseaux sociaux. Exactement. Il y a eu beaucoup d'engouement. Mais je pense qu'après, ça s'est vite redescendu. Exactement. Ça a pas stagné et continué à augmenter. Au contraire, franchement, je ne connais pas la raison, mais je pense que c'est aussi dû qu'on ne voit pas assez de matchs féminins à la télé. Par exemple, là, le match qu'il y a eu très, très récemment, là, c'était PSG Lyon sur Exactement. Canal+. Et là, ça faisait vraiment pro. Là, ça faisait vraiment professionnel. À la fin, il y a eu l'analyse du match. Il y a eu. Franchement, là, ça donne vraiment envie de regarder. Je Non, pense mais que c'est ça aussi.
Bon, certes, hier c'était l'affiche, mais je trouve qu'on le met pas assez en avant. On dit que c'est plus lent que le foot masculin. Bon, c'est à voir parce que je trouvais qu'hier il y avait beaucoup d'intensité, c'est technique. Ben toi, avec tes mots, Inès, comment tu pourrais parler du foot féminin? Là, si tu avais 15 secondes pour nous vendre le foot féminin, tu dirais quoi? Bah déjà, je trouve qu'on ne doit pas comparer les hommes et les femmes parce que ce soit en dehors du foot, il y a déjà de grosses différences. Donc, au niveau foot, on ne peut pas comparer. On doit parler du foot des filles et du foot des garçons. Séparés, pas toujours en comparaison. Mais D'accord. pour parler du foot féminin, je ne sais même pas comment expliquer ça parce que nous, on le vit et c'est. Déjà, c'est. Je peux même pas vous expliquer parce que c'est des sentiments en fait. Bah, c'est une passion, hein, on sent. C'est ça. Moi, c'est ma passion depuis que je suis tout petite. Ça veut dire déjà d'arriver à ce niveau-là. Ben, je suis heureuse, je vis de mon métier, je vis de ma passion. Franchement, le foot féminin, c'est pour ceux qui regardent pas, à voir, au moins une fois. À voir. Exactement, non, non, mais Ben, je pense c'est. qu'hier, il y a eu beaucoup de personnes qui ont regardé, qui regardaient pas le championnat. Et peut-être qu'il y en a qui ont aimé et qui regarderont la prochaine fois, j'espère. Oh ben, en effet, faut le mettre davantage en prime time, on va dire, à Canal+. On passe le Ouais. message. Oui, c'est vrai que là, on a parlé du championnat de D1 Arkema, mais en revanche, il y a eu le championnat de D2 qui a été stoppé. As-tu des copines dans ce championnat, Inès? Oui, il y en a certaines, mais je pense que ça a vraiment été un coup dur pour elle. Parce que je peux vous le dire, quand il y a le week-end, on n'a pas match. Parce que bon, on n'a pas de match programmé, parce qu'on n'est pas assez. Oui. C'est pas pareil. L'entame de la semaine, c'est dur. Même si on fait ce qu'on aime, c'est dur de se dire à la fin, il n'y a pas d'objectif. Il n'y a pas l'objectif de la semaine. Il n'y a pas. Puisque là, par exemple, cette semaine, on se met direct en tête le match de Paris FC ce week-end. Voilà, on travaille. On travaille pas pour ça, on travaille pour soi. Oui. Mais à la Il y fin, a un on doit objectif, remporter ce match. Il y bien a un sûr. objectif de semaine. Et là, elles n'ont pas eu toute la saison. Je pense que ça a dû être vraiment, vraiment très dur. Et j'en ai parlé avec certaines. C'est vraiment très dur, je pense, de s'entraîner, pas dans le vent, mais s'entraîner pour au final juste se maintenir, en vrai. Se maintenir en forme et pas avoir de match. C'est. Non, je pense que c'est pas normal. Bon, il y a Et peut-être. Elisa, hein, qui te dit que tu parles bien. Merci. Tout à l'heure, je leur ai dit aux filles, je stresse. Non, Un non, live, il je n'ai faut jamais pas. fait. Non, non, franchement, je mets à l'aise et ça se passe toujours bien. T'as dit ça? Qu'est-ce qu'elle dit? Tu parles comme quand tu joues au loup-garou, incroyable. Ah, ça, par contre, je ne le savais pas. Donc maintenant, on le sait. On le Arrête de sait. mentir, arrête. On le sait. Tout à l'heure, tu disais, donc aujourd'hui, tu as eu l'occasion de rentrer dans les matchs, de faire quelques matchs. Oui, donc la saison prochaine, c'est d'avoir plus de temps de jeu pour Ouais, ça. bah, j'ai pour but de chaque saison augmenter mon temps de jeu jusqu'à arriver, je dirais pas titulaire comme ça, hein, mais qu'on compte sur moi et que je sois satisfaite de mon temps de jeu. Ouais. D'accord. Il y a Kos qui dit, comment tu expliques cette déroute? Bon, elle est un peu, hein, pas une déroute, Ouais. mais de Montpellier cette saison. Ben, franchement, c'est compliqué parce que quand on me pose la question. Ben, on me dit souvent, ça va pas avec les filles dans le vestiaire, c'est comment et tout. Mais en fait, au contraire, on s'entend super bien. Après, il y en a qui disent, il y a beaucoup d'étrangères, nanana et tout. Mais oui, il y a beaucoup d'étrangères, mais c'est pas pour autant qu'on s'entend pas, qu'on Exactement. communique pas ensemble. Bien sûr. Quand on se fait des petites soirées en dehors du foot, on s'entend super bien. On sait pas. On sait D'accord. pas. Vraiment, on n'a pas eu les résultats qu'on voulait. On sait pas. Bon, bah, c'était la saison un peu moins bien et donc je À pense qu'on oublier. retrouvera Montpellier en haut de l'affiche On doit. l'année prochaine. Après la D1 Arkema, bah, peut-être que tu en as déjà parlé avec ton agent parce que forcément il faut anticiper, il faut se projeter. Est-ce que tu serais partante pour tenter l'étranger dans quelques années? Ben, déjà, je refuse rien. Je refuse rien. Après, pour le moment, je suis super bien à Montpellier et j'ai vraiment comme objectif de finir mes années de contrat D'accord. en
en beauté, quoi, de finir vraiment au top, 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 pour après reprolonger ou Ah, voir ailleurs, mais après, c'est vraiment. l'espace qui te dit de la rejoindre. À l'Atlético Hein. ou à Lyon, on ne sait pas. C'est vrai. Faut savoir, elle va où déjà? Oui, voilà. Bah alors, grâce, dis-nous Tu où tu vas. retournes à Lyon ou tu restes à Voilà, l'Atlético? exactement. On va attendre sa On réponse. attend, on attend. Non, vraiment, je souhaite vraiment m'imposer à Montpellier et après parler de la suite. Ah, il y a Yazid qui nous dit il faut aller aux États-Unis et jouer au soccer et Au gagner plein soccer. de thunes là-bas. Non, non, je fais pas du foot pour gagner des sous. Vraiment, quand j'ai commencé, je pensais pas du tout à ça. Je pensais pas arriver là déjà. Donc, si, quand je suis là, il faut continuer à travailler. Tant que je suis là, continuer à travailler et toucher. Je veux vraiment, comme objectif, toucher le plus haut niveau de partout, gagner le plus de titres. Et là, je serai vraiment fière de mon parcours. D'accord. On en a parlé un petit peu tout à l'heure et j'ai bientôt fini, Inès. Mais comment ils ont réagi, tes parents, quand tu leur as dit, bon, voilà, je veux faire du football? Ah, mais ils étaient super contents. Franchement, mes parents, ils étaient super contents. Ils m'ont aidée, ils m'ont emmenée de partout. Et j'étais la seule fille de mon équipe jusqu'à 15 ans. Et Jusqu'en oui. U15. Ouais. Et vraiment, ils étaient là de partout. Jamais en. Oh non, Inès, t'es une fille. Va faire de la danse ou va faire du. Je sais pas, n'importe quel sport. Mais toujours à fond derrière moi. Et je pense ça m'a jamais fait douter. Parce que si on a des parents qui sont un peu réticents, ça peut faire douter. Non, là, vraiment, au contraire, ils ont été vraiment derrière moi et ils m'ont aidée. Après, je pense qu'ils ont eu aussi la vision de mes grands frères qui ont vu que, voilà, le foot, y a pas, même s'il y a beaucoup de garçons qui en font, ce n'est pas que des garçons qui peuvent en faire. Et non, vraiment, ils ont vraiment été là pour moi D'accord. et au top, vraiment. Il y a Pierre Carré qui nous demande comment tu fais pour avoir cette pointe de vitesse. Il m'a gagné en plus. J'ai trop la haine. D'accord. On a fait une vidéo en fait et pour je pense après la poster pour la poster sur les réseaux Ouais. et il y avait des petits challenges et du coup au challenge vitesse il m'a gagné D'accord. mais bon Partie remise alors. je vais pas spoil la vidéo mais bon le reste D'accord. Et tout à l'heure, tu en as parlé également de l'équipe A. Hein, je crois, hein, le prochain match amical, c'est contre l'Allemagne, le 10 juin. Donc, la sélection A, tu y penses ou c'est encore trop tôt? Ben, je pense que tout le monde y pense. Moi, j'y pense, oui, j'y pense beaucoup parce que, comme je vous ai dit, c'est pas un objectif du jour au lendemain, hein, Bien sûr. mais ça reste dans ma tête. Là, pour le moment, je suis en U23. On a normalement un tournoi en Suède, là, après le championnat. Et je pense déjà à ça, à Ok. faire un bon tournoi. Et après, ouais, si être convoqué en A, ouais. Je dis pas non. Non, mais je te le souhaite. Et sinon, sur le championnat de D1 Arkema, quelle a été la joueuse la plus compliquée à prendre? La plus compliquée à Bah, prendre. à apprendre ou à jouer sur le Ouais, terrain, ouais. sur ton côté? Franchement, j'ai. Bah après, quand on a joué Lyon, les attaquantes, ouais, c'est allé, hein. Delphine Cascarino. D'accord. Ça, parce que c'est des joueuses complètes. Elles vont vite, elles sont techniques. Il faut vraiment les coller au marquage. Sinon, si tu laisses trop de liberté, c'est fini là. Ouais, c'est trop Avec la tard. vitesse qu'elles ont. Ouais. Et faut vraiment être très agressive et les coller. Au moins, là, elles n'ont plus le choix de jouer en arrière. Mais sinon, pour revenir sur cette pointe de vitesse, tu l'as travaillé comment? Ben, je pense que la vitesse, c'est soit tu l'as, soit tu l'as pas. D'accord. Ouais, mais Après, tu ça se la travailles. travaille. Quand Ça même. se travaille, ça se travaille. Il faut avoir une petite base quand même. Oui. Ça se travaille, oui, c'est vrai, on peut gagner un petit peu en vitesse, mais c'est pas comme la technique. Oui, tout à Travaille fait. pas de la même façon. La technique, tu peux ne pas être technique et apprendre et vraiment avoir une grosse marge de progression et progresser beaucoup. Mais la vitesse, tu peux pas progresser beaucoup, beaucoup, beaucoup comme ça d'un coup. Non, ça se travaille, oui, parce que en explosivité, avec notre prépa, on travaille avant les entraînements, après, pendant. Tout ce qui est travail de PMA, mais surtout explosivité, ça aide vraiment. D'accord. Bon, Et surtout à mon poste. oui, tout à fait. Je connais un scout hein, en Espagne, Franco, hein, qui lui veut te voir rapidement à l'Atlético Madrid. Donc, on espère te voir rapidement du côté de l'Espagne. Il y a quoi d'autre comme question? Comment tu fais pour être aussi à l'aise techniquement?
T'as un Neymar dans chaque orteil, a priori. Là là, qui c'est qui a dit ça? Antoine. Non, ben, la technique, c'est pas mon point fort. Hein. J'aurais plus dit défendre, la vitesse, les centres. Mais bon, la technique, ça va, j'ai beaucoup progressé. Ouais. Mais bon, c'est pas ma qualité première quand on me demande mes qualités. Non, mais bon, peut-être qui te connaît et peut-être que tu es modeste, hein, tout simplement. Je sais pas. Bon. Non, non, d'accord. Donc, dernier match contre le Paris FC. Après, donc, il n'y a même pas de quelques jours de vacances. Derrière, c'est direct le tournoi. Ben là, le dernier match, c'est le 5, là, samedi. Et après, le tournoi, c'est le 8. Ah Donc oui. voilà, le 8 et on finit le 14. Et après, on est en vacances. Voilà, Vacances, après ouais. une bonne coupure. Après, une bonne coupure, ouais. Parce que même, mis à part la saison, le Covid, tout ça, ouais, c'est compliqué parce que tester toutes les semaines. Et franchement, c'est relou. Dans les hôtels, il n'y a personne quand on y va. Il n'y a que nous, parce que pendant la période de confinement, il n'y avait que nous. Oui, Et c'est du coup, ils ouvraient que pour nous et tout. C'était vraiment bizarre. bon, tout à l'heure, tu dis on ne peut pas comparer le football masculin et le foot féminin, d'accord. Mais c'est vrai que cette saison, donc saison atypique, sans public, Ouais. même s'il y en a moins qu'au football masculin, mais il y en a quand même du Ah mais public. oui, on ressent vraiment la différence. C'est comment de jouer sans public? Ben, on dirait qu'on est à l'entraînement. Sauf qu'on se met, il faut se mettre seul dans sa bulle C'est ça. et se dire on est en match. Mais sinon, je pense pour les personnes très stressées et tout, je pense que ça doit les aider parce que y a pas de pression, il y a C'est pas de ça. pression, il y a pas de tambour, il y a pas de public, il y a pas d'applaudissements, il y a rien. C'est vrai. Mais ça manque beaucoup, ça manque. Même si on en a beaucoup moins que les garçons, Oui. ça manque beaucoup vraiment. On le ressent même. On fait venir nos familles qui viennent nous voir nos matchs. Là, ils sont derrière la télé, c'est pas pareil. Non, non. C'est complètement différent quand tu es au stade et derrière une télé. Exactement, exactement. Bon, en tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé ce live avec toi, Inès. Et Merci. même derrière un écran. J'ai pas le plaisir de te connaître vraiment, mais là par derrière l'écran, c'était vraiment un grand plaisir et ben merci d'avoir passé ce moment avec moi et avec nous. Merci beaucoup, c'est super gentil. C'est mon premier live et franchement, j'en garde de bons souvenirs. Bon ben tant mieux, tant mieux. Et ben, Merci beaucoup. on espère te retrouver sur les terrains forcément de la D1 Arkema la saison prochaine. Et puis avec Montpellier, et puis peut-être qu'on aura l'occasion de se refaire un live l'année prochaine. J'espère aussi. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup Inès. À vous aussi, bonne soirée, bonne Bonne soirée. continuation. Ciao. Allez, au revoir. Voilà, c'est terminé. C'était vraiment très très chouette avec Inès. C'était un grand plaisir. Et elle a répondu à toutes vos questions, aux miennes. Et c'était vraiment très sympathique. Si vous n'avez pas pu voir le début, le live sera disponible 24 heures sur mon Insta. Donc n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager. Et je le publierai également sur YouTube dans les prochains jours. Merci d'être venu. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Donc, finalement, gardez mon contact dans votre Insta, pardon. Et puis, j'espère vous retrouver dès demain. Voilà, j'en perds mes mots, mais en tout cas, j'espère vous retrouver demain. Merci, bonne soirée. Ciao.